Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play Découverte d'écologie. On retrouve notre petite maison container qu'on avait commencé à squatter avec Sacha et Jonah. Vous pouvez voir qu'il y a quelques tout petits changements pour gagner des sous. J'ai retapé un peu vite fait la maison. Je crois que j'ai diminué cette truc-là d'un carreau. Pour renflouer un peu les caisses. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a maintenant... Oh bah il prend un bain! Mais il se fout de la gueule de qui? Bon, je vais lui laisser prendre son bain. Il y a maintenant une salle d'eau de bain différente du toilette, parce que sinon, quand ils ont besoin d'y aller en même temps, un à la douche et un aux toilettes, eh ben, je peux pas. Donc, comme ils sont pas en couple, ils sont frères et sœurs. Voilà. Bon, eh ben, elle va bosser tout en puant. Super! Bon courage, ma belle. Bon, Jonah, là, je pense que t'as assez dormi. Fallait dormir à cette nuit au lieu de faire je sais plus quoi. Ouais, je suis désolée, mon beau, mais tu vas mettre les écouteurs, tu vas allumer, écouter de l'électronique et tu vas fabriquer une bougie. Voilà, hein, tu vas commencer à m'en faire, puisque là, il faut qu'on gagne de l'argent, mon petit. On est mal barré. Donc, c'est pas grave si tu parles à personne, ça viendra avec le temps, hein. Allez, motivation. Oh non! On a un conspirationniste, mais qu'est-ce que tu viens faire près de notre poubelle, toi? Ok, trop bizarre. Et puis lui, il est en désespération. Ouais, prends un vélo. Mais t'as été faire ce que je t'ai demandé ici? Ouais, c'est bon. Il a été récupérer les graines et la cire. Motive-toi, Jonah! Oh là là, mais quel enfer! Oh oui, il va enfourcher son vélo. Oh oui, elle a reçu une promotion, sa sœur! Oh, merveilleuse petite Sacha! Oh punaise, par contre, tu pues ta mère. Elle a été promue au poste d'apprenti en architecture. Elle gagnera désormais 11 simflouzes de plus par heure, soit 42 simflouzes de l'heure au total. Également reçu en bonus 350 simflouzes, une tablette de conception électronique et créé un concept municipal. Ah, c'est cool, ma belle! Tu dois toujours interroger, ça je l'ai jamais fait. Ah, tu dois avoir la compétence 2 en logique. Bon, on est mal barré. Est-ce que tu peux prendre une douche? Oh, tu peux prendre une douche, vas-y, profites-en. Jonah, il est désespéré, alors il appelle des gens tout en ayant ses écouteurs sur les oreilles et en écoutant de la musique. C'est normal, mais regardez, son social remonte, donc tout va bien. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils s'invitent à la baraque, tranquille. Non, mais quel est le fuck? Oh, mais regardez, du coup, comme c'est tout beau, il y a des arbres, il y a des fleurs et tout qui sont arrivés. Oh là là, et on verrait presque les dauphins nager au bord du port, non? Ce serait trop beau, hein? Mais ça s'améliore de jour en jour. Oh, on a trop bien géré, on a trop bien géré pour les votes le week-end dernier pour l'aspect écologique du quartier, quoi. Comment? N'oubliez pas de vous occuper de vos poubelles d'extérieur, cela vous coûtera 50 simflouzes. Mais zut, enfin, quand même! Voyons, laissez-nous tranquilles. Tiens, tu vas jouer pour te détendre parce que t'as vachement besoin de détendre. Et puis t'as un monsieur là qui... Ben je sais pas. Vas-y, va t'interroger à propos de l'eau et l'électricité plutôt. Mais t'as la classe avec ta bicyclette retrouvée dans les ordures, mon petit Jonah. C'est trop classe. Kengo n'est vraiment pas convaincu par les techniques d'interrogation et les questions de Sacha. Il lui répond très clairement que les réponses à ses questions ne la regardent pas. Oh. Bah oui, mais au moins ça lui valide un truc, donc je m'en fiche, moi. Retour à la meilleure amie de Jonah, la poubelle. Par contre, il y a une sacrée nuée de mouches qui est là. On va espérer qu'il nous trouve des trucs, quoi. Des bons petits trésors juste à réparer et à vendre, ce serait cool. Attendez, il m'a trouvé une cuisinière extraordinaire dans la benne. Oh, je croise les doigts qu'il faut juste la réparer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle devait s'en occuper et puis en fait, il y avait plus rien. J'ai pas compris. Elle les a enlevés, en fait, elle les a tués, les criquets. Bon, je suis désolée pour ceux que ça dégoûte, mais voilà. J'aime bien, mais les mecs, ils squattent, en fait, genre tout l'après-midi, quoi. Enfin, toute la journée. Il est 23 h, ils sont encore là, quoi. C'est très logique. Ah mais c'est un piépon! Mais ah oui c'est vrai, c'était lui qui était venu nous sauver. Mais monsieur, je sais pas pourquoi vous êtes revenu, vous squattez, hein, vous pouvez repartir chez vous aussi. Y a plus le feu si, c'est bon, hein. Allez, monsieur doit y aller, mais c'est merveilleux parce que ouais, vous allez aller vous coucher également tous les deux. Parce que bah, voilà, il y a déjà une journée qui est passée, Sacha doit bosser demain. Bon, elle aura au moins fait ça. Bah là, une promotion maintenant, donc on va gagner un petit peu plus. Elle est au niveau 2 de la conceptrice civile. Prochaine promotion, technicienne en construction.
On n'y est pas encore, mais bon. J'avais pas vu. Ok, très bien. Bah, tu retourneras te coucher vraiment après. Là là là, elle travaille dans 1 heure. Eh bien, tu vas pouvoir aller aux toilettes qui est maintenant séparée, donc c'est merveilleux. Tu vas pouvoir aussi reprendre un peu repas rapide et des céréales. Vas-y, lève-toi, cocotte. Oui. Ah, c'est bon, tu vas recycler, t'inquiète. On va aller là-dedans et on va faire recycler. Ça va te faire du bien. Tu vas te sentir mieux juste après. Mais non! Ah non! Mais non, tu peux pas aller au travail tout de suite comme ça, ma cocotte! Non, vas-y, on tire pas la chasse, c'est pas grave. Mange un petit peu quand même. Voilà, elle a recyclé, elle va mieux se sentir. Oh, mais quel enfer, quoi. Ça va beaucoup trop vite, là. Allez, à 42 simflouzes de l'heure, j'espère que tu vas nous ramener un bon pactole, là. Pendant ce temps-là, notre journée nationale roupille. Bon, allez, il est 10 h, tu vas te lever quand même, Jean-Claude, là. Et tu vas me faire une... Oh oui, tu vas me prendre une vraie douche, là. Oh, je sais pas ce qui se passe, mais on commence à choper pas mal d'eau, là. Et qu'on peut leur faire apprendre des vraies douches et des vrais bains. C'est merveilleux, sauf que c'est un peu lui qui y va tout le temps. Bon, après, il va tout le temps dans la benne aussi, donc ça aide pas, hein. Tiens, tiens, il y a Tina qui est là. Qu'est-ce qu'elle... Bah, d'accord. Bon, si tu me la laisses, la bougie, à la limite, moi, je veux bien, hein, cocotte. Ça nous fera des cadeaux gratuits. Ah bah, l'embarquer! Oh bah c'est pas drôle là! Alors, nous parlons toujours de ce que nous fabriquons, Jonah, mais jamais de l'endroit où nous travaillons. Vous devriez peut-être créer un bureau. Jonah a débloqué la recette du bureau fabriqué. Comment? Attends, quoi? Comment ça il a débloqué le truc le... Ok? Eh ben oui, mais il faut le machin en fait, je pense qu'il faut la machine pour ça. Et ça coûte de l'argent aussi, monsieur dame. Bon, niveau jardin, tu pourras désherber. Et tout récolter, voilà, tu pourras tout arroser et tout récolter, surtout la cire en fait. Non, tu peux pas récolter la cire encore sur celui-là. Plus de choix, récupérer la cire, voilà. Ça c'est bien, récupérer la cire. Ouais, bref, tu t'occupes quoi. Et donc, pour faire évoluer des plantes, on est de retour à leur parler quoi. Comme dans l'ancien temps, c'est magique. Ça se fait plus en un clic à 3 km, c'est bien ça. Bon, au niveau des nouveaux criquets, on va récupérer du biocarburant. Je sais pas, j'espère que ça va nous ramener pas mal de pesetas. Ce serait dommage. Et elle resquatte, elle se refait une bougie chez nous, quoi. Bon, d'accord, je veux bien, mais bon. Jonah a récupéré les objets suivants dans l'élevage d'insectes. Un bidon rempli de biocarburant à base d'insectes. Ok. Fais-moi voir, c'est ça? 40 simflouzes. Eh, c'est pas mal, hein, en vrai. Je pense que c'est pas mal. Alors, je vais vendre tout ce qu'on peut vendre, hein, les graines, des machins, tout ça. Hein. Bon, ça, les baies sont pas trop chères. Bah, je vais vendre le biocarburant. Écoutez, 40 simflouzes et la bougie qu'on avait faite. Voilà. C'est qu'on monte à 2000 simflouzes. Oh, ça, c'est bien. Et Sacha est rentrée avec 378 simflouzes. GG, ma belle. Mais écoute, tu meurs de... Tu te fais yèche comme pas deux, donc tu vas jouer tout de suite. Oh, l'ordinateur pour te faire du bien. Il y a beaucoup de monde qui se balade dans le coin, je trouve. Oh oui! Oh oui, la gazinière, elle est juste cassée. Tu vas pouvoir du coup aller la réparer. Et puis la nettoyer. Et on pourra la vendre! Parce que je crois qu'elle vaut cher, celle-là. Enfin, du moins, je l'espère. Chez nous, c'est récup et bidouillage. On vous répare vos épaves. Pourquoi pas? Non, mais c'est vrai, ça peut servir et tout. Et puis voilà. Pour le garder pour nous, on peut tout simplement les revendre. Et nous, on a besoin de thunasse. Donc, on est déjà à 2300 simflouzes, hein, on est pas mal. Donc, j'espère que ça va nous faire monter à 3000. Et voilà, elle est nettoyée. Enfin, elle est réparée maintenant. Elle sera nettoyée, elle va briller. Faut qu'elle brille, ma belle. Eh oui. Regardez-moi comme elle est clean. Elle est belle comme pas deux. Oh, j'avais pas vu les superbes chaussures, dis donc. Magnifique tenue de boulot quand même. Yes, effectivement, notre petite gazinière nous rapporte 708 simflouzes. On a donc dépassé les 3000 simflouzes. Oh, ça c'est trop cool. Et lui, il a fini ses nouvelles bougies. Bah écoute, t'as faim? Bah ouais, mon coco. Va manger un petit muesli pour te remettre. Hein, si t'as si faim que ça. Oh là là, c'est dur la vie. Et un peu d'huile de coude par là. J'ai l'impression que tu bosses tellement plus que ton frère, Sacha. C'est incroyable. Mais ça m'étonne pas.
Et niveau 4 de la compétence de fabrication d'objets, Jonah peut désormais fabriquer la table de salle à manger, le siège de salle à manger, les pièces d'amélioration de plomberie, les pièces d'amélioration de cuisine et les pièces d'amélioration communes avec la machine à fabriquer. Oh, je vais aller voir combien elle coûte cette machine. Bon les enfants, elle est à 1800 simflous, c'est cher, je suis d'accord. Mais si avec ça on peut se créer des meubles et les vendre, je sais pas, je trouve que c'est un investissement de dingue. Où est-ce que je pourrais la mettre? Je vais la mettre là, à l'abri, dehors, parce que sinon ça craindra un petit peu. Elle est en dessous du container, je vais la mettre bien au milieu, au pire on mettra des murs autour. Il nous reste 1200, qu'est-ce que je pourrais avoir de plus pour avoir un deuxième récupérateur d'eau d'occasion? Et on serait à 737. On va avoir pas mal d'eau, ça veut dire qu'ils seront propres et secs plus souvent. Et puis, et surtout, ben, et donc ça veut dire qu'ils seront mieux, quoi. Est-ce que tu trouves des trucs sympas? Des matériaux? Bah écoute, t'as encore ça à réparer. Tout à l'heure, il était cassé, puis il était plus cassé, puis il est recassé. Voilà, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ajouter des colorants fabriqués. Ah ouais, on peut déjà fabriquer les tapis, guéridons, bibliothèques et lampes de bureau. Mais ça, c'est trop bien. Et toi, tu peux fabriquer quoi? Oh, lui, il peut fabriquer tellement de choses! Oh, on va s'amuser avec ce truc, je vous le dis, moi. Allez, mon petit, après cette journée bien remplie, tu vas aller dormir et on verra demain ce qu'on pourra commencer à faire ici en espérant que ça nous rapporte des thunes. C'est un nouveau matin et Sacha est déjà au taquet. On est vendredi, c'est-à-dire que les votes pour le quartier, qu'on va pouvoir voter de nouveau et améliorer encore plus le quartier, quoi. Bonne journée, Sacha, ramène-nous de la thune. Bon. Jonah, comme d'hab, est en pleine forme. Allez, un petit tour dans notre poubelle, voir si au cas où on aurait raté un truc intéressant qu'on aurait jeté au lieu de le garder. Qui sait, on sait pas, hein. On est tellement cons, nous-mêmes. Mais il a trouvé une baignoire. Mais c'est génial. Alors, viens ici, et tu vas commencer à fabriquer des trucs. Allez, nous, on va y aller carrément. Tu vas... Oh là là, il y a tellement de choses. Une commode, vas-y, parce que c'est super gros à faire. Ah ouais, c'est vrai qu'on a les colorants et tout, mais tu vas me faire juste une commode couleur normale, quoi, couleur bois. Pourquoi pas une table. Allez, une vraie table, ça ce sera pour nous et on verra combien ça coûte. Allez, go, travaille, mon petit. Je suis fière de toi. Ah, ça y est. La machine, elle nous fait des petits rayons rouges. Est-ce que c'est normal? Ah, ouais. C'est une imprimante 3D, en fait, tout simplement. Ah ouais, le truc, il est monté. Comme si on remplissait au fur et à mesure, en fait. Et une fois rempli, le meuble est fait, je pense. Toi, t'arrives à gérer, là? T'as jamais touché à ça? Ah oui, regardez, il fait une commode. Bon, ce sera pas ce design-là, hein, mais... l'esprit y est. Hey! Hey! C'était monté jusqu'en haut! Mais tu dois recommencer? Ah bah non. Bon, ouais, quoi? C'est pas fini? Ah vache, c'est long. J'espère que ça rapporte beaucoup de thunes parce que c'est long à faire quand même. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc c'est bien dans l'inventaire du foyer. D'ailleurs, je vais en profiter. Il va vendre ses bougies à 140. Ça fait remonter un peu les fonds du foyer. C'est pas mal. Je commence à avoir un peu faim, mais on va aller voir combien ça coûte. Alors, on a trouvé une affiche qui vaut... Oh, c'est mignon. Qui vaut 55. Moi, je la vends direct. Une baignoire. Oh yes. Oh yes, il faut juste la réparer. Oh, quel pied. Et ça, ça vaut 600 simflouz. Eh, mais moi, je la vends direct. Ah non, mais là, c'est bon, on va devenir riche, les enfants. On est riche. Oh là. Je crois que ça a merdé. Il est tout coloré. Il est trop beau. Et ça lui va super bien. Regardez, je crois que sa fabrication, elle a un petit peu buggé. Et bah, il est tout mignon, tout choupi. Oh, zut. Effectivement, j'ai pas sa création dans le ici, donc ça veut dire qu'il a pas réussi à la faire et qu'il a effectivement capoté. Oh, c'est pas grave, hein. Il en refera une, hein, mon beau. Bon, ça lui donne un bon état d'esprit, joueur. Jonah croyait qu'il y avait que les lamas qui pouvaient cracher. Eh ben non. Et en plus, il est content parce qu'il a des belles trouvailles. Qu'est-ce que tu m'as trouvé? Un frigo.
Oh mais c'est. Mais vas-y, hein. Cherche encore, hein. Là, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie et qu'on va réussir à faire des trucs incroyables. Eh ben tu vas faire une bibliothèque, tiens. Allez, go. Vas-y, vas-y. Eh ben on est reparti pour une nouvelle fabrication. Cette fois-ci, j'ai choisi la bibliothèque, donc ce sera peut-être moins difficile. On l'a dans notre inventaire du foyer. Bah écoute, tu vas me prendre une petite douche rapide. Tu vas aller aussi aux toilettes. Et puis c'est pas mal, hein. Tu sais quoi, tu pourras t'y remettre après. On va refabriquer. Vas-y, un fauteuil, un siège, tiens. Allez, go. Le frigo est donc à réparer. On a cette plante, je pense que je vais la vendre parce qu'elle ne m'intéresse pas vraiment. Et la bibliothèque vaut 200 simflouzes. Oh, allez, pour l'instant, je vends. On gardera tout le reste une prochaine fois. Ok, elle fait des câlins déjà avec ses ordures. Mais écoute, elle revient du boulot. Tu peux jouer un petit peu pour te détendre le slip. On est déjà remonté à 2260 simflouzes. C'est quand même incroyable. C'est bon, je crois que là, on est des cracks. Hein. On va tout dégommer. Et puis après, on va essayer de voir les plans d'action et voter ce qui pourrait être sympa pour le quartier. Allez, les bros, c'est l'heure de travailler ensemble là. La réparation et la fabrication, c'est beau. Ah, j'ai fabriqué un truc super pour vous le week-end dernier car je vous trouve vraiment super. Est-ce que je peux venir vous le montrer? Mais bien sûr! Mais écoute, c'est même Jonah qui va t'accueillir les bras ouverts. Mais donne-nous des choses, invite à entrer. Vas-y, vas-y, invite-la à entrer. En plus, il s'entend super bien avec Tina. Tandis que Sacha est en train de nettoyer le reste, tu peux chercher des pièces. Et fouiller dedans aussi, hein, voilà, il y a plein de trucs. Oh punaise, c'est trop trop bien, on va pouvoir revendre ces deux trucs, c'est trop cool! Tina a fabriqué un cadeau spécial rien que pour Jonah! Quel sim formidable! Voici ce que Jonah a reçu, une pièce d'amélioration de plomberie. Oh, super, merci. Ah, et puis elle a débloqué quoi? L'éclairage mural! Mais c'est trop bien en fait de discuter avec elle parce qu'elle nous apporte plein de trucs et tout. On n'oublie pas de chanter la petite chanson qui va bien parce que c'est soirée en ville. Bon, on n'ira peut-être pas, mais c'est sympa. Bon, pareil, c'est pas trop bien. Elle a pas trop bien posé la question sur les factures. Ça passe pas trop, ma cocotte, Sacha. T'as pas trop géré. Alors, les plans d'action du quartier pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a en tête? Autosuffisance ou soutenez les arts du spectacle. Sinon, il y a la modernisation du port promise, porter des sacs, économie d'eau et promouvoir les arts créatifs. J'ai envie de dire promotion de ça. Je vais en mettre, allez, 3 points avec elle. J'en garde bien sûr pour l'espèce d'usine désaffectée qu'il faudra voter. Donc voilà. Oh, il a trouvé un siège. Bon, un siège cramé, mais un siège quand même. J'avoue qu'on a un peu négligé l'étage aujourd'hui. Les pauvres criquets, ils sont affamés. Voilà, il va falloir s'en occuper un peu aussi. Et tu vas trier tes déchets parce que j'ai l'impression que ça te frustre là. Qu'il faut absolument que tu recycles quelque chose. Elle est très 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 mal en point, la pauvre. Ah bah voilà, ça va mieux. Du coup, on va vendre le frigo pour 712 simflouz. Oh là là, et la baignoire pour 175. Donc lui, c'était un truc cramé, ça. Ça, c'est une décoration que je vends pour 65. Et le fameux fauteuil que Jonah a construit en vaut 250. Bah écoutez, c'est parfait. Il faudra vraiment qu'on aille au truc pour recycler tout ça. Et on est avec 3400 simflouz. On est bien, les enfants. Et un niveau 5 de la compétence fabrication d'objets pour Jonah. Peut également fabriquer l'éclairage de sol avec la machine à fabriquer et la bougie rectangulaire avec la station de fabrication de bougies. Comment ça, fabrication d'objets rectangulaire? Oh, ça c'est bien ça. On testera ça aussi. En attendant, on va quand même s'inquiéter des plantes. Il va récupérer tout ça. Tu vas aussi récupérer la cire. Pour tout ça, parce que bah, si on veut faire des bougies, mais maintenant qu'on peut faire des meubles, j'avoue que les meubles sont plus rentables que les bougies. Mais c'est pas grave, on va quand même récolter tout ça. Allez, c'est là-dessus que Jonah va se coucher. Eh bien, écoutez, les enfants, je pense que pour maintenant, nous sommes vraiment en phase de
Ben, juste de craquer le game, hein. Là, on gagne énormément de sous grâce à cette machine. On a investi, on a réparé, on a fait les poubelles et tout ça. Maintenant, on n'a presque plus besoin de tout ça pour gagner notre vie. Mais c'est merveilleux. Je vous retrouve la semaine prochaine, du coup, pour la suite des aventures de Jonah et Sacha. Et on essaiera aussi, du coup, de voter pour ça, comme je vous l'ai dit. Et ça faudra attendre la semaine prochaine. Je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. Ciao.